J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une meilleure nuit que la mienne. En plein milieu de la nuit, mon sommier et le matelas qui tombent, j'avais trop le seum. En fait, pour vous expliquer rapidement, on a eu pas mal de problèmes avec des meubles qu'on avait pris chez Ikea, qu'on fait plusieurs déménagements. Le lit n'avait pas fait plusieurs déménagements, hein, il n'en a fait qu'un. Mais c'était clairement le premier prix de chez Ikea, ou pas forcément le premier prix, mais c'était pas trop trop cher. Et il n'était pas très très solide, et du coup, il y a des petites chevilles qui se sont pétées. Et en plein milieu de la nuit, j'entends BAM! Et je sens mes pieds qui tombent, et je me suis retrouvée en fait avec le sommier, le matelas par terre. C'était génial. En parlant de matelas, je pense qu'on va changer de matelas parce que j'en peux plus en fait de ce matelas. Il y a plusieurs années, on a pris un matelas original de chez Emma Matelas. Et que ce soit n'importe quelle marque, je ne vous conseille absolument pas de prendre que à mémoire de forme. Parce que ça s'affaisse en fait au fur et à mesure du temps. Je disais du coup que ça s'affaisse, comme c'est que de la mousse en fait, au fur et à mesure du temps, ça va se creuser et c'est un petit peu relou parce que quand on voit le prix des matelas, ça fait chier. En plus de ça, même en retournant le matelas au fur et à mesure du temps, il y a quand même une différence de poids entre les deux personnes qui dorment dedans, enfin en tout cas nous. Et du coup, il y a un côté qui est plus creusé que l'autre. Donc finalement, il y en a un qui se casse la gueule du lit aussi ou qui se retrouve à dormir à ça du bord. Donc voilà, je pense qu'on va changer pour prendre un matelas hybride avec ressort et mousse. Comme ça, au moins, il y a beaucoup plus de maintien. Parce que c'est vrai que le matelas, je vous avais dit qu'il était trop mou. Et là, apparemment, j'ai eu plein de retours sur les matelas hybrides de chez Emma qui étaient vraiment pas mal avec ressort. Donc, je pense qu'on va prendre celui-là. Et puis, de toute façon, je vous donnerai mon avis comme d'habitude. Hein. Quand je vous avais dit que c'était pas bien le premier que j'avais pris, je vous ai dit que c'était pas bien. Donc, voilà, je vous dirai. Pour celles ou ceux qui voulaient un code promo Yuji, vous allez être hyper contents puisqu'ils m'en ont redonné un. Je vous avais dit d'ailleurs, j'ai été à, comment ça s'appelle là, Auchan, j'ai regardé les prix des trucs Yuji, c'est abusé, c'est beaucoup moins cher de les commander sur internet je trouve. Moi en plus de ça, ils m'avaient donné un code promo de 10€, des 49€ d'achat, donc je prends que sur leur site. Et franchement, c'est hyper pratique, là du coup je viens d'être livré, c'est livré sous chrono fraîche, donc c'est congelé. Ça arrive intact, donc vraiment congelé. Et c'est hyper pratique puisque vous avez directement des portions sous forme de galets, de nourriture. La composition est top de chez top. C'est comme du fait maison en fait. Vous avez brocoli, champignons, chou-fleur, riz cuit, pommes de terre, oignons, eau de cuisson, c'est tout. Tout est bio. Moi, j'avais commencé à prendre ça parce que j'avais la flemme de cuisiner des petites portions de protéines pour lui. Donc, j'avais acheté que les viandes. Je disais que c'était sous forme de petits glaçons. Donc, en gros, vous avez 10 grammes pour un glaçon. Au début de la diversification alimentaire, quand tu commences, moi, perso, j'avais trop la flemme de faire des petites portions de 10 grammes. Là, du coup, c'est hyper pratique. Maintenant, c'est 20 grammes pour lui, donc j'en mets 2. Et ils font plein de préparations de purée déjà toutes prêtes aussi. Hein. Donc, ça, c'est quand ils sont plus grands. Vous avez tout mélangé, ce que je vous montrais. Mais vous avez aussi des préparations. Donc, moi, j'ai pris pot-au-feu, printanière, etc. Mais au tout début, je prenais juste carottes, juste haricots verts, juste, et vous avez pile poil la bonne dose de haricots avec la bonne dose de féculents, de pommes de terre et tout. Franchement, c'est trop bien. Ils ont sorti aussi des petits bâtonnets comme ça. Alors, au début de la diversification alimentaire, accrochez-vous parce que quand ils commencent les petits morceaux et tout, il en fout partout. Moi, ça me rend des ouf. Et maintenant qu'ils mangent correctement, c'est trop pratique. Donc voilà, je vous mets le code qu'ils m'ont donné là, qu'ils m'ont réactivé.